Salut à tous! Ça fait très longtemps qu'on s'était pas vu, je ne pouvais pas faire de vidéo parce que j'étais crevé et tout. Bon, pour dire désolé, je m'excuse vraiment de ne pas vous avoir posté de vidéo depuis tout ce temps. Et en même temps, on peut pas dire que j'ai vraiment des gens qui regardent, qui sont abonnés à ma chaîne. Et ce qui me rend vraiment triste en même temps. Je vous demande, si vous regardez cette vidéo, je vous en prie, ayez pitié, abonnez-vous à ma chaîne. C'est pas pour être vraiment demandant, mais je suis vraiment contrarié que j'ai pas autant d'abonnés. Pourtant, je fais des vidéos quand même sur des jeux qui sont pas très intéressants. Mais là, je vais recevoir Dragon Ball Z Xenoverse. J'étais à 5, je l'ai eu là, ça fait que j'ai un bon bout de temps, j'ai fini le jeu. J'ai eu aussi, c'était quoi encore comme jeu? Assassin's Creed Unity, oui, parce que j'ai acheté la PS4 et la One, je vais l'acheter bientôt. Mais pour ce moment, j'ai entendu parler de quelques jeux qui ont sorti comme Dragon Ball Z Xenoverse. Et je ne me rappelle plus des autres. Mais bon, on verra ça une fois que je ferai la vidéo. Mais je vous demande s'il vous plaît de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous verrez toutes les nouvelles vidéos et tout. Comme Calypso53, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Belge Sanka, le Déluge Marcus, et je crois que je m'en rappelle plus des noms qu'il y avait pour Marcus. Morka, voilà, Morka. Enfin, j'ai beaucoup d'abonnés comme ça qui postent des jeux parce que c'est comme ça, ouais. Et aussi des abonnés rires, il y a aussi Norman et tout, et des Dragon Ball Z en français. Mais je vais vous faire tout ça dans une FAQ des top. Manga et tout. Bof, on va faire des trucs aussi sur Twitch et tout. J'ai déjà préparé tout ça. En même temps, me faisait pas être relou. Hein. Ah, tiens, pour démarrer un peu la vidéo, on dit qu'un crayon. Pourquoi un crayon à papier? C'est parce que c'est un crayon à papier. Eh, hey, mon roulement de tambour, il est où là? J'aimerais bien un petit truc là. Tout le tiche. D'accord. Bah. Bon. Je crois bien que j'ai perdu la boule là, aujourd'hui. Eh, hey, j'ai une bague. Je m'appelle Maître Caillou. Vous avez deviné comment on va faire mon nom. Oula, ça Caillou, ça Caillou. Hein? Ça le fait pas, d'accord. Mais quand même, je voudrais, s'il vous plaît, de vous demander de m'abonner à ma chaîne. Vous faire un gros bisou, hein. Très très gros bisous. Mais quand même, j'ai entendu parler de certains jeux qui vont sortir et je vais faire 2-3 tours dans certains pays. J'espère croiser des gens que j'y connais ou des abonnés sur lui là très vite. Vous aussi, vous me dites dans les commentaires quelles sont vos régions et tout, et comme ça on verra si je descends dans ces régions, on va compatiser et tout. Vous allez me voir pour la première fois, mais bon. Je vais vous dire d'abord ce que je fais. Dans les journées, quand j'ai pas cours, je reste ici, je joue, sinon je sors, j'ai pas les amis. Je révise mes examens. Sinon, voilà. Dans la vie, ce que je veux faire plus tard. S'il y en a certains qui veulent me reposer cette question, si t'as pas entendu. Je veux faire le métier qu'on appelle notaire. Oui, je vais faire le métier de notaire. C'est un métier qui me donne quand même beaucoup d'argent. Et c'est vrai que pour ça, c'est parce que j'ai toujours été un petit truc comme ça pour être un petit truc pour être dans la société, voilà quoi. Vendre des bâtiments et tout, et voilà. Ça vous fait un peu dormir, je suis sûr. Mais quand même, moi, ça m'intéresse. Ceux qui vont se demander des histoires quand j'étais plus petit. On va commencer, je vais vous raconter un peu tout, un peu de ma vie. Quand j'étais petit, ouais. Quand j'étais en primaire, quand même, ça allait. Mais j'ai décidé, parce que, comme vous savez, il y a des gens qui sont un peu de poids, qui sont costauds, quoi. Ben, moi, je faisais partie de ces gens-là. Mais il faut, je me suis constaté qu'il faut maigrir. Mais, même si les gens vous traitent de gros, de. Au patapouf, faut pas s'en occuper. Vous écoutez pas, vous avez vos amis à vous. Vous vous en fichez ce qu'ils disent, leur réputation et tout, même s'ils sont cool. Voilà, bad boy. Mais quand vous serez grand, c'est vous qui aurez le diplôme.
et eux ils seront à la rue. C'est ça qu'il y a de plus génial. Ils font les costauds et tout, mais après donc, quand ils sont grands, c'est eux qui n'auront rien. Des histoires humiliantes qui me sont revenues dans la vie. Pour dire, il y a des gens qui riaient de certains trucs cons. Quand on faisait tomber nos livres, que ça tombait. Et qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre une fois? Quand j'étais plus petit. Ouais, je suis tombé à vélo. On change de sujet, on passe sur mes cascades. Parce que j'ai pas vraiment de trucs humiliants. Non, j'ai rien finalement. Sur mes cascades, quand je me suis fait des blessures et tout. Pour vous dire, à vélo, oui, à vélo, je suis tombé plusieurs fois pour dire. Je saignais, mais ma maman m'a toujours soigné et tout. Oui. Et quand j'étais petit, oui, je tombé. Je me suis fait une petite cicatrice au menton, mais c'est bon, elle est partie. Hein. On a fait des points de suture, mais c'est bon. Hein. Tout est redevenu normal. Mon visage parfait est revenu. Et pourtant, je suis tombé encore une deuxième fois et c'est bon, c'est reparti. J'ai quand même assez content, mais vous voyez. Changeons de sujet. Quand j'étais petit, comment j'étais gâté? Pour dire, comment vous dire, j'étais vraiment gâté de jouer. Vraiment, vraiment de très bons jouets. Vélo, des figurines, des jouets pour jouer au combat. Enfin, j'adorais tous ces genres de trucs pour dire. J'avais des Power Rangers, des ninjas, des monstres qui pouvaient changer de corps, de tête. Vous connaissez le super-héros Masher, le super-héros qui fait tous les combats et la publicité passe toujours, je l'ai, malgré que je suis grand. Comment dire, je le mets dans une étagère plastifiée. J'ai aussi des figurines de One Piece que j'ai jamais ouvert déjà, oui. Jamais ouvert cette chose, maintenant que j'y pense. Ouais. Je ferai une FAQ sur ça. Je vous montrerai toutes sortes de jouets que j'avais eu. Ouais. J'ai des FAQ là, on parle du moi et on délire un peu. Mais bon, vous voyez que ce que je veux dire. Faut pas se moquer quand même. Bon, ah, j'ai une idée. Bon. Je vais vous parler de ce qu'on va faire pendant les prochaines vidéos. Une vidéo délire pendant que je serai avec mon ami. Enfin, cette fois-ci, une vidéo délire, on a tout planifié. Vu qu'on a entamé déjà. On est déjà en mois de janvier, là, on va être en février. Et d'après mes souvenirs, j'ai entendu sur Lucas TV, je vous conseille aussi d'aller regarder sa chaîne, que le Dragon Ball Z Xenoverse sortira en fin février. Et c'est pour ça que je vais courir les rues pour l'acheter. J'espère aussi que pendant que je vais acheter ça, il ne fera pas mauvais temps, hein. Quand même, parce que vous connaissez déjà. Oui, bon, mon anniversaire pour vous dire, c'est le 13 février. Oui, je suis né en février le 13 et je suis né en 1000. Oh là là, qu'est-ce qui me prend, le souvenir me revient plus quoi. Je connais mon anniversaire pour en ce moment, mais j'ai pas envie de trop vous dire l'année, mais bon. Bon, la fête pour moi, c'est vraiment quelque chose. Bon, ça me... Mais bon, c'est comme ça pour moi les fêtes. Mais il y a des fois, comme je vous ai dit, il y a des fois où on s'énerve tous youtubeurs à perdre le contrôle, à casser nos manettes. C'est des trucs très 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 naturels. Il y a des fois où on pète les plombs. Comme ça. Voilà. Avec des éclairs qui viennent dans notre tête. Si on perd contre Freezer et tout. En même temps, regardez, si on était contre Freezer réellement, on serait comme ça. Regardez, avec de l'eau qui coule sur notre visage, enfin la cire, on serait tous comme ça. Comme Dragon Ball Z, tous les personnages, des fois, ils se font pipi dessus, n'arrivent pas à combattre et tout. On se donne tous un point d'interrogation. Non, c'est pas ça, mais bon. Ouais, et ça commence à m'énerver, je me casse la tête là encore. Bon, comment vous dire? Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur moi? Me faire pardonner. Moi je sais pas. Ah oui, je voulais vous dire, n'hésitez pas à liker aussi. Qu'est-ce que je dis à toute vidéo, mais il y en a certains qui ne font pas. J'ai posté une vidéo il n'y a pas longtemps, ça fait déjà deux jours, un truc. Genre, il y a une vidéo sur Sabot quand il est grand, de One Piece. Je l'ai posté, mais il n'y avait pas de son après, et j'ai oublié d'activer le son, j'avais fait un montage.
Je suis pas très très bon au montage, comme là, je faisais des trucs, des dessins. Mais bon, on ferme notre bouche, vous allez voir de toute manière. On va aller maintenant, l'intro que vous avez vu, c'est ça l'intro qu'il y aura avant toutes mes vidéos. Je sais pas si je vais la changer un moment ou un autre. Vous le saurez tôt ou tard. Ouais, en même temps, c'est pas comme si on était les plus nuls à se battre à chaque fois. Bof. Dire aussi des fois où ça me prend méré. Bon, j'ai pas trop de choses à dire finalement. Ouais. Ouais. Ouh. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'être. On va faire un peu de délire maintenant, je crois. Ouh là là, qu'est-ce qu'il y a des moustiques là. Pas possible, il fait jour. Bon. Je voulais vous dire aussi. Faut pas se prendre. Voilà. Faut pas se prendre aussi pour des imbéciles. C'est pas comme si on était du genre à être Satan. À être comme ça. Blablabla. Vous voyez de quoi je veux vous parler là. Vous voyez. Genre moi, je ne ferai jamais un truc comme ça, quoi, que devenir Satan comme ça. Vous comprenez. Faut pas devenir aussi méchant. Si je vous présente des vidéos, c'est juste pour le plaisir, pas pour l'argent. Oui. Niette. Tant je vous dis non, faut pas devenir aussi une petite crapule comme ça. Gay. Faut pas devenir avec un visage pareil à devenir saoulant. Bon, comme pour vous dire. Aussi, pour. Je vais parler du sujet des filles. Le filles. Dans ce temps, quand on est grand, les adultes ils ne se comportent pas comme nous. Ah, qui veut dire les adultes, ils choisissent seulement avec la confiance. Mais nous, là, les grands dans le temps, là, ils choisissent seulement par le physique. Ils aiment les filles à grosse tête. Vous voyez quoi, beau physique. Et tout. Enfin, moi, je suis devenu avec beau physique parce que, voilà, j'en avais un petit peu marre d'être gros. Mais comme je vous l'ai dit, on s'en fout d'être gros, on a notre spécialité en nous. Mais bon, c'est pas comme si je vais vous dire aussi de devenir comme ça, qui veut dire en pierre, lait. Voilà, je vais pas vous demander de devenir comme ça, en même temps de devenir violent, gratuitement. Au sujet de la mort de Charlie, je vais pas vous dire que ce sont des organismes comme ça qui nous ont fait ça. Voilà, je suis un organisme et je vais tuer Charlie. Mais faut pas être violent comme ça. Et aussi, quand je vous parle du sujet des filles, il y a beaucoup de filles qui aiment les petits gars mignons, comme ça. Les petits oursons et tout, qui agitent la tête, qui sont comme ça, qui clignent. En même temps, faut pas aussi devenir comme ça. Ouais, et je suis devenu Bruce Willis. Hein, vous me voyez comme ça. Bon, après, faut pas devenir Bumba la Bumba, Bumba la Bumba, comme ça. Excusez-moi si y en a certains qui sont indiens qui regardent la vidéo et tout. Enfin, faut pas m'en vouloir. C'était un petit. Et je voulais vous dire que je ne suis pas raciste. Qui veut dire, si vous êtes noir, je m'en fous. Parce que j'ai des amis noirs, blancs, chinois. Je m'en balance de toutes les couleurs, des races. Ça, le racisme, je peux pas supporter. Vous voyez, il y a un blanc qui a dit un jour à un noir, parce que moi je suis blanc. Qu'il a dit que on s'en foutait de toi parce que tu n'es pas riche. Et quand moi j'étais là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce racisme? Et je ne l'ai pas supporté. C'est comme s'il se prenait pour les rois d'Ali Baba, là, comme ça. Bah, oui, c'est bien lui. Et il prenait les noirs pour des clowns, comme ça. Ou pour des chiens. Vous voyez de quoi je parlais? Des chiens. Vous voyez, ça je ne supporte pas. Et par contre, si vous voyez qu'est-ce que le noir avait, sa maman était le blanc, sa maman était venue chercher avec une grosse casquette blanche. Mais on s'en fout de la grosse droite normalement. Mais le noir, sa maman était venue chercher une limousine toute blanche. Hein? Alors quand je voyais le racisme, ça je déteste. Tous les gens racisme, ça franchement, vous allez avoir de mes nouvelles si vous êtes mes amis. Et que si un noir qui répond à une question, mais si à sa photo, si vous le critiquez, vous lui dites de sortir de mon blog, moi je vous bannis tout de suite. Hein. Faites des commentaires et tout,
Je vous bannis si vous êtes racisme. Je le répéterai pas. Le racisme pour moi, c'est un truc vraiment très très violent. Et quand je veux parler de racisme, je ne veux pas parler non plus d'aller insulter jusqu'à le fond de ta race, ni ta race négro, faut pas dire ça. Pour tous les jeunes qui regardent ça, il ne faut pas être raciste. Je ne dis pas aussi de devenir une poupée russe. Et ouais, poupée russe. En même temps, quand on cache bien des secrets des fois, hein, comme pour être la pyramide d'Égypte. Eh ouais, c'est du délire. Regardez-moi un peu. Regardez ma tête de Stroufion. On aurait dit une bite en plus, je m'en fous. Regardez-moi ça. Oh là là, on s'amuse vraiment. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez être belle comme moi. Ta gueule, c'est à mon tour de parler. Bon, au niveau, je vais bientôt finir cette vidéo là. Je vais juste faire tous les personnages de mon réfectoire pour m'amuser un peu. C'est sûr que vous vous ennuyez pas, hein, comme pour dormir. Parce que ce que moi ça va faire. Ouais, pardon, vous êtes là? Bon, allez, passe le relais. Oh là, tu commences à nous énerver un peu là. Hein. Et toi aussi là, tu commences à nous énerver. Bon, vous commencez à m'énerver vous tous. Et pourquoi toi tu la fermes pas un peu là? Sinon je te colle. Voilà. Bouf. Au niveau du son, vous allez me dire dans les commentaires qu'est-ce qu'il faut pour que je sois vraiment un bon youtubeur. Franchement, je vous demande tout ça. Faut pas que je sois une tête de pierre. En même temps. Et en même temps, toutes les filles vont me faire des bisous comme ça. Oh. Oh là là, oh là, ça tu m'as fait un clin d'œil, je sors. Faut pas être mignon comme Hello Kitty. Hein. C'est pas Hello Kitty ça, mais vous voyez de quoi j'ai parlé. Ouais, c'est moi qui fais bouger la poupée comme ça. Ah là là. Vous connaissez l'amour. L'amour est vraiment, c'est un truc mystérieux que personne ne peut faire. I love you. I love you. Bof, je vois qu'on n'aime pas me voir chanter. Ma chanson était un peu nulle là quand même. Bof, nous allons terminer sur une petite statue aussi. Hein. Oui, on n'aime pas me voir comme ça avec la tête de Obama. Avec un beau gros panda en fond d'écran. Un petit cochon. Bof, pour terminer pour les filles, on va pas terminer finalement cette petite culture. Je vais vous dire une dernière fois, avant qu'on termine ça, de vous abonner, de mettre des commentaires, je vous en supplie. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous. Je vous en supplie. Je vous remercierai, je vous ferai même des cadeaux de ce que je vous donne dans cette pays que vous serez. Je vous fais des cadeaux de bonnes, des bonnes figurines. Bon, on passe à la Rasta. Rasta, ça y est, y a. Ah, j'aime bien voir les trucs comme ça, souvent. Bof, je vous ai dit, ne faut pas être raciste. Regardez, vous voyez, si on compare blanc, noir, on s'en fout de la couleur. Regardez, là, elle est plus belle que là. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que c'est que ce racisme? Si on voit cette vidéo, je répète, ne soyez pas raciste, soyez gentil, ne venez plus raciste. Bon, on va se dire au jour prochain. Je crois que je vais poster une vidéo GTA 5 dans quelques minutes, peut-être. Je n'en sais rien parce qu'elle est déjà prête. Peut-être que je vais la mettre parce que celle-là, je vais la poster tout de suite. Mais, les abonnés, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un petit like et à la prochaine. Bye bye.